Fermer la tour Eiffel, ça a mis 3 heures. Et la rouvrir, ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus. Donc en fait, il y a, voilà, il y a toute une série de procédures, d'organisations à remettre en place. En plein été, on accueille à peu près 23 000 personnes par jour. Là, on espère accueillir la moitié, hein, dans un premier temps. Et puis, on verra, bien évidemment. Aujourd'hui, on est dans une grande incertitude. Hein, et donc, il faut accepter d'être dans cette incertitude et puis d'être agile, de s'adapter. C'est vraiment le mot d'ordre pour tous, quoi. C'est vraiment essayer de s'adapter. Qu'on retrouve rapidement nos visiteurs et en particulier les visiteurs de proximité, les Parisiens qui aiment la tour, les Franciliens également et les Français qui sont très attachés à la tour et on les accueille à bras ouverts.